Alors Alex, c'est le moment de découvrir, d'en savoir un peu plus sur nos voisins européens en s'amusant. C'est le moment de « À votre avis ». C'est-à-dire, j'ai envie de tester vos connaissances sur les spécificités des quatre pays qui sont ici représentés. Ça touche en général à la vie quotidienne du pays, de l'Europe. Bon, je vous explique les règles. Je pose des questions qui concernent ces pays et voilà. Vous affichez le drapeau. Attention. D'accord ? À votre avis, parmi les quatre pays représentés ici, quel est celui qui a rejoint l'Union européenne en 1986 ? Ça, c'est facile. Mais c'est l'Espagne. Absolument. Absolument. Dès que c'est un peu culturel, évidemment. Dès qu'il y a de la connaissance, on voit qu'il y a du niveau. C'est votre côté service public. Bien sûr. Hein. Tout de suite. À votre avis, dans quel pays des hommes sautent par-dessus les nouveaux-nés? J'aimerais qu'il n'y ait pas de méprise sur ce que je dis. Est-ce qu'on peut regarder la tête qu'il pourrait avoir? C'est des Espagnols, c'est oui, ça, ouais, ça, ça surtout pas rater son saut, quoi. Non, non, ça sent peut-être le costume. C'est pour ça qu'on les met bien. Alors, on n'a pas encore dit Bulgarie, on n'a pas encore dit Bulgarie. Oh non, arrêtez, on n'est pas des sauvages, non. Dénonce-toi. Alors, c'est une tradition très ancienne de l'Espagne, du nord de l'Espagne, qui mélange la sorcellerie et les traditions chrétiennes. Oh, et il s'agit de sauter au-dessous des nouveau-nés qui ont arrivé pendant l'année 2019, par exemple. Donc, ce monsieur-là s'appelle El Colacho, qui représente les démons. Donc, il fait ça avec les bébés pour enlever les mauvais esprits. Et par la suite, ces bébés, ils vont être bénis par le prêtre du village. Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un tombe sur un bébé? Jamais. D'accord. Jamais. Parce qu'on n'en parlait pas. Oui, ils survivent tous. On a reçu un tweet de Pierre Ménès qui aimerait tenter ce... C'est vraiment... Non, ça ne tente pas, là. Alors, à votre avis, parmi les quatre pays ici présents, quel est celui qui n'appartient pas à l'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes? Ça va être ceci, à mon avis. Je suis désolé pour vous. Il va falloir rentrer maintenant. Nous aussi, on est déçus, parce qu'en fait, la Bulgarie, elle a donné sa demande pour adhérer à l'espace Schengen, et le Parlement européen a accepté sa demande encore en 2011, sauf qu'on n'arrive pas à adhérer complètement, parce qu'on a besoin de l'accord de tous les pays membres, et on ne l'a pas encore. C'est qui bloque? J'habite à Bruxelles, je peux faire 2-3 déjeuners. Je connais du monde, exactement. Allez, une dernière question. À votre avis, parmi les quatre pays ici représentés, quel est celui qui a reconnu en premier en Europe le droit de vote pour les femmes? La Bulgarie. Ça, c'est évident. Ça sent les gens du Nord, ça? Ah, oui. Oui, on est très fiers. Bravo. Ils ont toujours une longueur d'avance. Ouais. J'étais pas mauvais, Stéphane. Je suis assez content. Ah oui. À part les nouveaux-nés. Oui, là, j'ai vraiment... Mais ça se comprend.